Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest. On se retrouve du coup pour notre petite partie, juste après avoir réussi à éliminer un méchant loup-garou qui apparemment venait plus ou moins du même du vieux qui nous a foutu notre malédiction. On est revenu dans la forêt fantastique avec Somnia et il faut qu'on court plus ou moins jusqu'à August Pocus puisque elle s'est précipitée. Alors faut qu'on évite les pentacles de mémoire. Hop. Et on y est. Alors comment ça se passe? Vous n'avez pas l'air en très bonne santé. Je suis mort, tu t'attendais à quoi? Un peu plus de peau translucide? Moi, te revoilà. Bonjour Auguste. Somnia m'a raconté ce qui s'est passé à Egendas. Cette histoire de loup-garou n'a pas dû être simple. J'y aurais perdu quelques fois la vie, mais je suis pas à ça près. Ce qui m'inquiète, c'est que le monstre a été envoyé par le vieil homme qui m'a maudit pour se venger de vous en tuant votre apprenti et les habitants du Nord. Se venger de moi? Pourquoi? Vous l'auriez trahi. Cette histoire est encore plus floue maintenant. J'ai ramené l'orbe et fait la rencontre de sa propriétaire, ça pourrait nous aider. En revanche, le grimoire avait été volé. Tu as vu la déesse lunaire? Une nouvelle génération de héros est donc née. Donne-moi cette boule de cristal. Je vois une terre dévastée, un royaume en ruine. Waterloo. La vision continue. Je vois le vieillard de dos. Il est entouré d'une magie noire qui le protège de la mort. Il se retourne. Icar, mais il est mort! Qu'est-ce qui se passe? Moi, vogue dans la forêt fantastique. La forgeronne devrait pouvoir te créer une arme capable de tuer un immortel. Demande-lui. Est-ce que le vent d'ouest attise toujours vos forges? Elle comprendra. Somnia, tu viens avec moi. Adadada, plop! Ah d'accord. Très très bien. Mode rage donc. Ok, donc on va pouvoir aller parler à Zev du coup, et peut-être un peu moins nous envoyer chier que d'habitude. Hop là. Hop là. Alors, on va voir ça. Hey! Ah non, j'ai envie de refaire sa voix. Mon dieu, Guimauve. Hey! Guy! Ça va? J'ai connu mieux. Auguste a trouvé où était celui qui m'avait maudit, mais il est immortel. Il va donc me falloir une arme spéciale pour le vaincre. Et toi? Le voyage a été super! J'ai traversé le désert et je suis arrivé à Hipstone, une étrange cité. Tout était en bois, mais ils avaient des machines impressionnantes! Puis je suis parti vers l'est jusqu'à s'incendier, ça a bien changé. Les hommes cochons ont voulu me faire rôtir. Heureusement, j'ai rencontré une tortue qui a bien voulu m'emmener jusqu'au large de la forêt fantastique. Elle s'appelle Christine, il faudra que je te la présente. Ah ouais, t'as pris le chemin le plus court, quoi. L'essentiel, c'est que tu sois arrivé en un seul morceau. Bon, j'ai soif. Il n'y a pas un bar dans le coin. Celui des bûcherons. J'y vais, on se revoit plus tard. Il va tomber sur Smug. Yo le dragon, ta tête me dit quelque chose. La tienne aussi. On s'est pas déjà vu quelque part? Peut-être lors d'un combat avec un sorcier du nom d'Auguste Pocust. Smug! Oh oui. Tu vas tâter de ma force. Oh, calme. Je ne te veux pas de mal. C'est long à expliquer. Tu viens boire un coup avec moi, qu'on en discute. Avec plaisir. Une drôle d'équipe, c'est peu dire. On est d'accord. Donc du coup, ils vont être dans le bar, donc peut-être que lui ne va plus s'enfuir. Ok, donc non, il nous refait le texte du début du coup. On va éviter la banane et on va aller voir comment ça se passe. Est-ce que tout le monde s'est planqué ou il picole tranquille? Non, il picole tranquille. Non, on va pas refaire le verre, je veux juste voir s'il y avait un truc. J'aime bien l'alcool, ça me rend joyeux.
T'as discuté avec Smug ? Oui, il m'a tout expliqué, au final il est sympa, j'ai la tête qui tourne. Allez, je vous resserre un petit verre. Bon, Smug, j'imagine qu'il doit bien descendre. Tu veux aller à Brutopia ? Non, ça ira, merci. Ok, donc du coup... La forgeronne... Voyons ça... Bonjour, hardi compagnon, je suis le forgeron de ce modeste campement, avez-vous besoin de quelques services ? Est-ce que le vent d'ouest attise toujours vos forges ? Qui vous a enseigné cette phrase ? Le sorcier Auguste Pocus, il m'a dit que vous pourriez m'aider. Moi qui pensais terminer ma vie paisiblement dans ce campement me rappelait mon devoir. De quoi as-tu besoin ? D'une arme capable de tuer un immortel. Voilà, la demande facile, quoi. Rien que ça ? Oui, je n'ai pas besoin d'autre chose. Pour créer une telle lame, je vais avoir besoin d'un métal ensorcelé. Ton ami la démon devrait pouvoir le fournir. Faustine ? T'as beaucoup d'amis démons ? Même si je me méfie des chansons d'espèce, il faut reconnaître qu'elle t'a été utile. Ouais, elle est bien informée, la mamie. Alors, Faustine, on a plein de morts. T'as bien nous lâché un petit caillasse magique. Alors, ce petit voyage dans le nord, rempli de morts ? Un certain nombre. Puisque tu me rends visite lorsque t'as besoin de quelque chose, que cherches-tu cette fois ? J'ai retrouvé le vieux qui m'a maudit, mais l'immortel, impossible de le vaincre sans une arme spéciale. Je n'ai pas de lame en ce genre. En revanche, je possède un métal parfait pour en forger une. Elle comprend vite, hein. Combien d'âmes en échange ? T'as compris le principe de la maison. 20, donc 50 morts. Je dois en avoir assez. Parfait, fais-en bon usage. L'acier de Némésis. Effectivement, le nom est sympathique. D'où vient son nom ? Il vient d'une ancienne légende des enfers. La jeune Némésis, fille du démon de la colère, refusa de se plier aux ordres de son grand-père, le roi des ombres. Son châtiment fut à la hauteur de la cruauté du monarque. Ses ailes furent arrachées, sa chair meurtrie par le fouet et son corps, limite de la mort, jeté dans un gouffre. Ses bourreaux avaient sous-estimé sa résistance, elle survécut et prépara sa revanche. Elle tira du minerai de la roche, le fournit avec sa magie et lui insuffla une rage sans égale. Armée de cette lame noire, elle entama sa remontée et vint faire face à son aïeul. Il déchaîna sa puissance, mais elle trancha chacun de ses sorts et faillit lui arracher la vie. Heureusement pour le cruel roi, le démon de l'orgueil réussit à arrêter la furie. Son arme fut scellée et son histoire peu à peu oubliée. Si l'épée a été scellée, comment as-tu récupéré de son acier ? J'ai mes secrets. Tu as assez de métal pour créer une dague, ce n'est pas énorme, mais ça devrait suffire. Bonne chance face à I qui est au vieux. Oh, ma langue a fourché, je suis un peu fatigué, à une prochaine. L'arnaque ! Elle connaît Icar. Ah, l'enfoiré. Elle essaie de m'avoir. Enfin bon, c'est une démon, hein. Ok, on va donc pouvoir forger une dague. Et merde, la banane. On va donc pouvoir forger une dague quand on aura ressuscité, disais-je. Hop. Voici de l'acier de Némésis, est-ce qu'il convient ? Parfait ! Maintenant, il nous faut un pommeau. J'ai un ami qui habite au sud de la forêt fantastique. Tu suffit de sortir du campement par l'ouest et de suivre la rivière jusqu'à un autre pont. J'y vais. Ah, mais il était bloqué ce pont, je crois. Ça serait peut-être plus bloqué du coup. Voyons ça. Suivons la rivière. Il y a des trous, attention, trous. Ah, bah tiens, il y a machin là. Hey ! Encore toi ? Bien sûr ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens te permettre de passer ce rocher, tu as assez avancé dans ta quête pour accéder à la prochaine zone. Je dois peut-être une explication. Ce serait pas mal, je comprends pas vraiment. Mon nom est Ignis, je ne suis qu'un écho du passé, l'univers m'envoie lorsqu'il ne sait pas comment débloquer une situation. Tu es une anomalie, et tant que tu seras maudit, tu nous poseras de problème. Donc autant te filer un coup de main pour vite terminer cette histoire. Tu veux te débarrasser de moi ? Tu mets un bazar monstre dans l'espace-temps, et si tu arrêtes de tout faire boucler, ton existence ne sera plus un problème. Allez, à plus ! Je sens que je vais encore le croiser. Tu m'étonnes. D'accord, en grève. Du balai ! Et un coq avec des fringues. Vive la CGG ! Bien, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Zeph m'envoie chercher un pommeau pour une dague. Montre-moi le métal. Laisse-le, je vais réfléchir à quel petit pommeau lui irait bien. En attendant, si t'en veux un, il va falloir déblayer ma ferme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un raboxon, la basse-cour fait sa révolution, si vous pouvez aller causer avec ces bestiaux, ça m'arrangerait. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Je suis bien d'accord.
Partez, partez, nous ne nous rendrons pas. Poulailler autogéré, fermier, fermier, on va te dégager. Révolution, je veux juste discuter. Hervé, on fait quoi? On ne le connaît pas. Laissons-le approcher, peut-être pourra-t-il nous aider. Pascal a raison. Prends les noms, quoi. Approche! Le fermier m'envoie pour faire le médiateur. Vous pouvez passer, je dois aller m'occuper de régler quelques détails. Profitez-en pour discuter avec les autres, ils vous expliqueront la situation. Passera pas à la casserole, poulailler indépendant. Poulailler indépendant. Alors, voyons voir par là, qu'est-ce qui se passe de beau. Ah, y a des bananes là. Je ne peux pas les manger. On peut prendre un petit café, non. Vous êtes le médiateur envoyé par le fermier? C'est ça. Bonjour, je suis Huguette, la porte-parole des poulettes. Bonjour, je suis moi. Ce que nous voulons en priorité, c'est une assurance de ne pas passer à la casserole lorsque ce ne sont plus assez rentables. Ce monstre de fermier a déjà transformé Mamie en poule au pot. J'en prends note. Allez voir les autres, peut-être aurait-il d'autres demandes à vous soumettre. Y'a un truc par là? Ouais, y'a un truc par là. Ah, un écho du passé, parfait, un écho du passé de la forêt. Brigitte, ça va? Juste une aile trouée, tu crois que je vais comment? Arrête un peu de te plaindre. Je savais bien que c'était une mauvaise idée d'aller à la fête de l'équinoxe. Quoi? C'est toi qui insistais. Peut-être, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait prévoir qu'à travers pèteraient les plombs. J'espère qu'Arizona et Hathor s'en sont sortis. Sandy et Lilith étaient avec elle, ils auront protégé. Prions pour leur victoire. Tiens, Saint-Sandier, c'était un endroit où est passé Geek Mauve. Que la lumière les protège. D'accord, donc visiblement la fête s'est mal passée. Donc il nous manque plus qu'un écho et on devrait pouvoir ouvrir la porte de la forêt. Alors, toi, t'as des revendications toi? Non, c'est une poulette, donc on a déjà parlé à la porte-parole des poulettes. Là, il y a un canard. De mon temps, vous savez, on bossait sans se plaindre, ces jeunes devraient déjà être contents d'avoir un boulot. Tout est la faute de cet abruti d'Hervé. Qui est Hervé? Le chef de cette bande de tir au flanc, il a créé la CG et monté les bourrichons de tous les autres, même ma fille Jeanne essayait de savoir. Dans mon temps, vous savez, on bossait sans se plaindre. Vous pourriez m'en dire plus sur ce Hervé? Il est arrivé dans notre ferme il y a quelques mois avec ses idées folles, avant de mon temps nous étions bien, vous savez, on bossait sans se plaindre, on était déjà heureux de bosser. N'avez-vous aucune information plus intéressante sur lui? Rien, à part qu'à mon époque, vous savez. Oui, je le sais! Ok. Alors. Là, il y a un petit poussin. Salut petit, ça va? Oui monsieur, et vous? Bien. N'est pas trop perturbé par la grève? Non, moi aussi j'ai des revendications. Lesquelles? Un espace de jeu pour tous les poussins. Antonin? Oui maman? N'en mettez pas le médiateur. D'accord. Au revoir. Ok, d'accord. Donc très très bien. Donc là on a une porte à l'intérieur. Ah, qu'on ne peut pas ouvrir, et on a des escaliers. Je peux pas passer? Ah si. Ok, très très bien. Encore une porte à l'intérieur, on peut toujours pas passer. On peut sortir par là par contre. D'accord, pourquoi pas. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose, on peut pas tomber ou s'accrocher au truc. Non. Bon. Peut-être un autre truc plus tard. Pour l'instant. C'est juste un moulin avec un poussin dedans. Alors, toi. Je suis ici pour négocier. On veut plus de graines, moins de couteaux et une assurance pour les actions du travail. Une retraite tant qu'on y est? Oui! J'aurais dû me taire. Dites aux fermiers que nous voulons des mesures concrètes, pas ces vaines promesses. Poulailler indépendant! Traqué. Alors, ici on a un cheval blanc. Il dit rien de beau. Ici on a des bouses. Tellement de miel. Ah non, c'est le miel, d'accord. Oula, ça sent l'arnaque. Je veux pas finir piqué à mort par les abeilles! Maintenant un ours! Tout doux, tout doux!
C'est moi, il a habillé cet ours. D'accord, très très bien. Ok. Bon, bah que voilà une manière à la con de mourir une fois de plus. Ok, bon bah retournons médiatiser cette ferme. Hop, là il y a un trou. Hop, hop, hop. Alors. Bon, bah je crois qu'il nous restait le cheval. Donc le cheval blanc, on a dit c'est une idée de merde. Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous souhaitez pour arrêter la grève. 3 jours de repos par semaine, après toutes ces années à traîner des charrettes, mon mando n'est plus aussi résistant. C'est tout? Et envoyez Bernard loin d'ici, il critique tout et passe son temps à rabâcher la même chose, je n'en peux plus de lui. Bernard, qui c'est? L'imbuvable canard. Ah oui, le relou là, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a un coq... J'ai rien à vous dire. Ok. Le poulet mécanique est à l'arrêt. Ah, il y a des poulets mécaniques. Très bien, là il y a un canard. Oh! Mon dieu, ce bruit. C'est horrible. Ok, bon, ici on est sur des gens pas forcément très très sympathiques. Ah, il y a une échelle là. On est où? On est là. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous vu qui a écrit sur ce mur? Bah non. Votre taux de déviance a l'air acceptable, vous pouvez retourner à vos occupations. Merci de voir Chavi, super femme entreprise. Ok, donc là on est sur du poulet mécanique. C'est assez particulier. C'est quoi ce truc? Donc le mec il a des animaux en grève et des animaux mécaniques. Est-ce que ce serait pas lui qui a écrit sur le mur là? On va aller voir, on va aller... maintenant qu'on a vu le mur, on va aller voir s'il y a toujours rien à nous dire. Ok, toujours rien à nous dire. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour des revendications, on va essayer d'aller voir Hervé. Désolé de vous déranger, vous avez discuté avec les autres? Oui. Le fermier accepte nos revendications? Non. Je lui ai pas encore parlé. Alors allez-y! Ok. Les animaux ont différentes revendications. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Alors ils souhaitent plus de grains, une assurance pour les accidents du travail, une retraite que vous arrêtez de les manger, 3 jours de repos pour le cheval, une aire de jeu pour les poussins. Crivindio! Ils vont me mettre sans la paille. Il faudrait que vous acceptez quelques-unes de leurs conditions. Je veux bien accepter de ne plus les zigouiller, mais c'est tout. On va insister sur la requête du poussin. Il faut à tout prix que les petits puissent s'amuser, l'aire de jeu est une requête prioritaire, je suis sûr que si vous la réalisez, les griffes prendront faim. Une aire de jeu pour les poussins, quoi. Bon, je sens un peu bidouillé, je vais voir pour leur construire un truc. Ça sert à rien, mais j'ai bien le droit de m'amuser un peu, hé hé. Cool, je vais te transmettre votre réponse à leur chef. Désolé de vous déranger. On va discuter avec les autres, le fermier accepte nos revendications. C'est un peu plus compliqué, comment ça? Alors, ne plus les manger. Le fermier accepte de ne plus vous manger, c'est vrai? C'est une excellente nouvelle, merci. Pour les autres requêtes? On parlait du repos de Pascal. Pascal n'aura pas droit à ses jours de repos. Ce fermier n'a pas de cœur, le pauvre cheval traîne sa grosse ferme de bourgeois depuis des années. Vous avez gâché ma bonne humeur, qu'y a-t-il d'autre? Le fermier a refusé de vous donner plus de nourriture. Pour nous savoir pourquoi? On va essayer de l'enfumer. Il souhaite éviter une augmentation subséquente de ses inputs induites par une erreur d'acceptation d'une requête anticonstitutionnelle. Je comprends. J'espère pour vous que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. L'air de jeu? Le fermier a promis de construire une aire de jeu pour vos poussins. Bon, pour ça de prix, les petits seront contents. Vous avez gâché ma bonne humeur, qu'y a-t-il d'autre? Ouais. Mais il reste plus que l'assurance, hein. L'assurance accident et la retraite ne verront pas le jour. Quoi? On fait comment pour soigner nos poules qui sont blessées par le renard? Ou mamie qui ne pond plus? Il va falloir brainstormer la question afin de scripter le benchmarking du lunch. Quelques calls à des managers devraient suffire pour upgrader le market. Vous fichez pas un peu de mon bec? Non, pourquoi? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Dites pas que vous n'avez pas le vocabulaire. Mais sûr que si, j'ai compris! C'est très dégradant, c'est tout! C'est pas une lumière ce poulet, bah tant mieux hein! Faut se dire que ça aurait pu être pire! La grève est terminée! Wouhou! Y'a plus les banderoles! Alors, est-ce que Jeanne est contente ou pas? Nous finirons bien par obtenir plus de nourriture, la lutte continuera!
vais devoir reprendre le travail, sauf si j'arrive à relancer une grève. Ça va très bien. Et il n'y a plus le sac de sable, parfait. Putain, cette lumière là, fait des rayons. Vendio, ces bestiaux m'ont remis un sacré boxon. Merci étranger pour ton aide, comme promis tu vas voir ton pommeau, suis-moi. À première vue, je vois pas trop ce qu'il va foutre avec un pommeau. Un pommeau d'ébène. Ok, bon, très bien, pourquoi pas. Je sais pas ce que tu veux faire de ton arme, mais tu ne trouveras jamais meilleur pommeau dans tout Gobert. Et reprends aussi ton acier, ce sera dommage de l'oublier. Ok, bon bah, voilà. On a réussi à désamorcer une situation critique, et en plus on a notre pommeau. Tiens, est-ce qu'il est content le poussin? Donc il a son air de jeu. Je vais bientôt pouvoir jouer toute la journée, merci. Et bah de rien. Et la poule, est-ce qu'elle est contente qu'on la bouffe pas? Je sais pas ce qu'elle fout au milieu du salon, mais... Nous ne serons plus mangés, c'est super! Mamie, toi qui es là-bas! Oh, tu entends ça? Mamie qui a fini en poule au pot. Passer là, ouais, passer là. Ok, donc faut qu'on ramène le pommeau à Zef. Hop là. Alors attention à la banane. Attention à l'autre banane. Et on y est. À ton air enjoué, j'en déduis que t'as récupéré le pommeau. C'est ça. Il ne reste qu'à forger la lame. Pour cela, nous allons à Brutopia. Smug! J'arrive! Elle a vite pris le pli, la mamie. Nous y voilà. On appelle aux flammes qui réchauffent notre chair et animent nos forges. J'invoque celles qui détruisent nos maisons et dévorent nos semblables. Je conjure celles qui serpentent sous terre et jaillissent de ses entrailles. Enfin, je commande aux plus ardentes, celles de l'astre solaire, de quitter les cieux pour me prêter leur puissance. Faites fondre l'acier du démon, infiltrez-vous en son sein, forgez l'arme qui consumera les ténèbres. Ah, ça déconne pas la mamie. On va enfin avoir une arme, quoi. La folie. Voici une dague digne d'un héros. La dague d'Aemovor. Parfait! Il n'y a plus qu'à rentrer! Tout le monde est prêt à y aller? Oui! Ouah! Vous n'alliez quand même pas partir sans moi! Auguste! Nikolai! Que faites-vous ici? Je n'en sais rien, ce vieux tado s'est venu me chercher alors que je faisais mon yoga. Le temps nous manque, l'homme qui est à l'origine de la malédiction de moi n'est autre que l'archimage Escandar! Cet idiot a conduit son peuple au massacre et n'a même pas eu la décence de mourir avec. Il se permet même de torturer un innocent. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais on va pas le laisser faire. Les jeunes vont s'occuper de lui. Nous devons découvrir ce qu'il se passe. Il y a quelque chose qui m'échappe encore dans cette histoire. Où allons-nous? Vous verrez bien. Bonne chance dans votre exploration de Waterloo. Nous vous rejoindrons dès que possible. Ok. On y va? En avant pour la dernière étape de cette bien étrange aventure. On va donc aller à Waterloo. Ce lieu ne me dit rien qui vaille. Effectivement, ça a l'air un peu glauque vu d'ici. Il y a quelque chose de malsain dans l'atmosphère. Dépêchons-nous de trouver le vieux et quittons cet endroit. Moi ça va, avec mon écharpe, je ne sens pas les mauvaises odeurs. Je reste ici si vous avez besoin de rentrer au campement. On t'attendra au château avec Somia. Au château. Ok, et ben attendez-moi au château alors. Ah! Ça aura pas mis longtemps! Pas très bien! Ok, il y a donc des petits monticules explosifs. Ah, puis en plus il fait tellement sombre, ça va être chaud de les éviter. Qu'est-ce que c'est que cette tosse? On peut pas savoir. Il y a des bestioles qui m'ont l'air tout à fait sympathiques. Vous êtes quoi? Ok, ils font juste gros. C'est quoi ce machin? Ok, c'est un soldat. Notre capitaine tire ses ordres directement du général George. C'était pas un mec qui était censé être mort, le général George?
d'arme qui nous tombe dessus, non? Ah, ça c'est un capitaine. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Le spectre ne réagit pas à votre présence. Ah. Du coup, il nous dit rien de beau, de fait. Là on a un truc, c'est quoi ça? Un genre de chien cochon? Ah, tu m'as l'air prometteur, toi. Le spectre ne réagit pas à votre présence. Ah, zut. Ah, là, il y a une maison bien pourrie. Tiens, une poule. Oh la vache, même la poule, elle rugit comme un tigre, quoi. Oye, oye, brave habitant de Waterloo, nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage prochain de Dame Yorda de Sir Ico. Ok. Il y a un énorme nounours. Qu'est-ce qu'un ours en peluche fait dans cette maison en ruine? Ah. D'accord, très très bien. C'est totalement gratuit. Ouais, il y a peut-être d'autres trucs à faire dans cette maison. Non, c'est tellement invisible. Allez, on essaie de se trouver une autre mort et on arrête. On va fouiller la maison. Hop, celui-là on l'évite. Alors, mis à part l'ours en peluche. Là il y a un trou dans le sol. Des taches de sang. Un vieux piano, un livre avec rien d'intéressant et des ossements. Et là, on peut pas y aller. Alors déjà quelqu'un qui a une chambre fermée par des grilles dans sa maison, ça commence mal. Ah, j'ai cru qu'il faisait jour mais non. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette tour? Il n'y aurait pas. Parce que cette caisse a une étiquette dessus. Il y a écrit cargaison du Maria sur la caisse échouée. Ces petites bulles m'ont l'air sympathiques. Il y a quoi? Oui, oui, brave habitant de Waterloo's. Ah non, c'est encore le même message, comme quoi ils vont se marier. Alors, peut-être que... Elle disait Maria, non? Non, je me disais peut-être qu'elle allait nous donner la quête de récupérer les cargaisons de son bateau, un truc du genre. Alors ici, il y a une trappe. Oh, avec une petite musique et un espèce d'épouvantail en ossement. Code Morse de Waterloo's. Oh mon dieu! Non! Pourquoi? Je peux pas rien taper en plus. Ok, on va dire, je sais pas moi... Bail. Un tir est égal à 3 points. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à 1 point. L'espacement de relais est égal à 3 points. What? L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à 1. L'espacement entre deux mots est égal à 7 points. Le code doit être donné en majuscule. Oh. Ok. Alors, on va essayer d'écouter. Falloir un papier pour ce truc. On viendra plus tard. Il va vraiment falloir que je note parce que ça peut être possible. Ok, alors toi t'es qui? Un marin. Il réagit pas à notre présence. Ok, je dirais qu'il va falloir qu'on trouve un truc pour que les spectres réagissent à notre présence parce que sinon ça va être relou. Allez, cette maison a des petites plantes aux fenêtres. Ah non, je me disais, ça va peut-être être un truc pas trop pourri, mais. Ah merde!
Bon, bah c'est pas grave, on va profiter de cette mort pour sauvegarder. Comme ça, je me trouverai un papier pour le prochain épisode pour essayer le truc du morse là. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette nouvelle ambiance vous paraît intéressante parce que ça a l'air bien sympathique. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.